On a un peu changé notre titre entre-temps aussi, au fur et à mesure d'écrire cette communication, qu'on a appelé « Une réflexion sur les rapports entre pouvoir d'agir et marge de manœuvre dans une intervention ergonomique ». Deux points, développer la co-conception du travail comme levier de prévention des TMS. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on tient évidemment à remercier Willy et l'ensemble du comité scientifique pour l'organisation du séminaire et puis en même temps pour nous avoir invités. On est très content de participer aux réflexions du jour sur la question de la prévention des TMS. Alors, du coup, la réflexion qu'on vous propose prend appui sur deux choses. D'abord, et de manière essentielle, sur une intervention ergonomique qu'on a pu mener avec Antoine dans le cadre d'une activité de conseil. C'est une intervention ergonomique, vous le verrez, Antoine y reviendra, qui est assez courte. Hein, elle a comporté 10 journées terrain au sein d'une maison d'accueil pour personnes âgées. Et notre réflexion du jour va aussi s'appuyer sur une première formalisation de cette réflexion à partir de cette expérience qu'on a écrite dans un article qui est sorti ce mois-ci dans la revue Activité à 6 mains. Oui, c'est bon, le compte est bon. Donc les miennes, celles d'Antoine et puis celles de Fabien Coutarel. Donc c'est un article intitulé « Du développement du pouvoir d'agir au développement des marges de manœuvre, un exemple d'intervention ». Voilà, c'est petit conseil lecture, c'est gratuit pour ce soir dans le train. Alors, du coup, pour rentrer un peu dans le vif du sujet sur cette intervention, sur laquelle nous allons appuyer notre propos, cette intervention, elle a une demande initiale qui est d'emblée orientée sur la prévention des TMS. Cette maison d'accueil pour personnes âgées, elle a ouvert 4 ans auparavant au moment où on arrive, et elle a une problématique très importante d'apparition de troubles musculo-squelettiques. Sur les 6 agents polyvalents qu'elle comporte, hein, Antoine reviendra un peu plus précisément sur leur travail ensuite, 2 des titulaires ont eu une maladie professionnelle déclarée et reconnue du canal carpien, et 2 contrats temporaires n'ont pas souhaité être renouvelés du fait de douleurs dans cette même zone du poignet. Donc au moment où sont établis les premiers contacts avec cette structure, ces dirigeants sont assez dubitatifs hein, sur l'apparition de ces troubles musculo-squelettiques, et malgré leur importance quoi, avérée, les dirigeants ne comprennent pas hein, comment une structure aussi récente, aussi moderne, avec de tels équipements, peut rencontrer cette émergence-là de TMS. Leur demande, du coup, est orientée vers une meilleure compréhension hein, de ce phénomène, à travers une volonté hein, d'avoir un diagnostic ergonomique orienté préconisation sur les conditions de réalisation du travail des agents polyvalents. Du coup, en arrivant sur le terrain, je suis assez frappé d'une chose, et ça très très vite, c'est qu'il y a un climat social qui est en plus extrêmement tendu et très délétère pour tout le monde. Les agents et la responsable de maison font état hein, de ce climat social et des relations interpersonnelles très dégradées. C'est des relations interpersonnelles qui sont dégradées entre les agents eux-mêmes, entre les agents et la hiérarchie, et même entre les agents et les résidents qui sont dans cette maison d'accueil. Donc c'est un problème pour tout le monde, c'est une source de tension. Du coup, je voyais un peu dans cette évolution, dans ces premiers éléments, j'y voyais, dans ces éléments de contexte, une opportunité hein, pour moi de pouvoir pousser hein, une expérimentation, celle d'une coopération avec Antoine, hein, qui me permettrait de développer des connaissances du point de vue de méthodes qui permettent d'engager un dialogue tourné vers la transformation du travail, et puis celle aussi d'un échange un peu plus large au sein de notre équipe d'ergonomie à Clermont pour envisager les rapports entre pouvoir d'agir et marge de manœuvre. Du coup, face à cette évolution de la demande à partir de ces premiers éléments de prédiagnostic, l'intervention a pris des allures de tentative du développement des marges de manœuvre en testant, dans ce format court d'intervention ergonomique, un dialogue professionnel visant à agir sur le travail et son organisation, en s'appuyant du coup sur des méthodes dialogiques mobilisées en clinique de l'activité. Du coup, dans le cours de l'intervention, comme vous allez le voir ensuite, on a organisé des cadres méthodiques pour que les agents concernés puissent se saisir entre eux des analyses de leur propre travail, afin de déterminer des solutions nouvelles. Autrement dit, vous le verrez, ils ont pu expérimenter dans le dialogue sur leur travail et re-questionner individuellement et collectivement les usages hétérogènes de leur propre marge de manœuvre existante sur leur situation de travail.
À l'issue de ce travail sur le travail, hein, vous le verrez là aussi, ils ont accepté de restituer leurs analyses auprès de leur hiérarchie. Du coup, ce qu'on va essayer de montrer dans notre communication, c'est la dynamique entre développement du pouvoir d'agir et développement des marges de manœuvre, qu'on pourrait résumer un peu de la manière suivante. En s'essayant au dialogue professionnel à partir de la co-analyse de leur activité d'abord entre agents puis avec la hiérarchie, les agents ont pu, à petite échelle, manœuvrer quelques marges dans la réalisation de leur travail quotidien et dans l'organisation officielle du travail pour engager à partir de là un processus organisationnel de régulation des situations critiques contribuant du coup à la prévention des TMS. Alors, après cette introduction un peu rapide, on va vous présenter notre réflexion en deux temps. Un premier temps où on va vous décrire l'intervention dans cette maison d'accueil pour personnes âgées, vous décrire le contexte. Vous le verrez, hein, c'est une intervention qui reste très modeste, hein, notamment dans son envergure, dans le temps imparti que nous avions des 10 jours, et qui nous a notamment pas pu, qui nous a pas permis, par exemple, de voir certaines transformations qui ont pu être mises en œuvre. Vous le verrez aussi, on a fait le choix avec Antoine de vous diffuser un film qui est un peu conséquent, hein, il fait 8 minutes, pour que vous puissiez voir un peu le travail qui a été fait. Et puis ensuite, on conclura pour reprendre ces éléments autour des rapports entre pouvoir d'agir et marge de manœuvre sur la question de la conception du travail futur, en se disant que lorsque le développement du pouvoir d'agir du collectif peut affecter l'organisation, les agents sont davantage attendus et à même de participer à la conception du travail futur. Je te laisse la main, Antoine, à partir de là. Merci. Vous m'entendez là ? Ouais. Bonjour à tous. Alors donc, je vais maintenant revenir sur l'intervention proprement dite, qui a duré donc 10 journées terrain. Il ne s'agit pas d'une structure médicalisée. Les 25 résidents qui sont âgés de 70 à 95 ans disposent de leur propre appartement avec une entrée indépendante qui donne directement sur l'extérieur pour accueillir éventuellement leur famille. Il s'agit d'une structure associative dirigée de manière opérationnelle par un président. Cette maison d'accueil, elle fonctionne au quotidien grâce au travail réalisé par 6 agents polyvalents qui sont donc polyvalents sur toutes les tâches, notamment la réalisation de l'entretien des locaux, l'animation qui est faite avec les personnes âgées, l'assistance à la confection des repas en cuisine et le service des repas dans le réfectoire commun. Alors les 5 premiers jours de l'intervention, ils ont été menés par Damien et ils ont été dédiés à la réalisation d'un prédiagnostic ergonomique. Au cours de la restitution de ce prédiagnostic, en présence des agents, de la responsable de maison et du président, un constat partagé et unanime a été discuté entre les participants. La restitution de ce prédiagnostic a permis aux différents acteurs de s'accorder autour d'une hypothèse qui est la suivante. Les troubles musculo-squelettiques repérés ne sont pas seulement un problème d'hypersollicitation physique, mais sont aussi reliés à la difficulté à dialoguer entre acteurs pour déterminer des solutions adéquates au fil de l'eau. Dans cette situation, l'analyse des contraintes du travail réel ne suffit pas. C'est le développement des ressources psychologiques et sociales permettant de mettre en discussion ces contraintes et les transformations nécessaires qui fait défaut au sein de la structure. Sur la base du développement de la demande autour de cette hypothèse, nous avons donc mis en place sur les 5 derniers jours de l'intervention un dispositif méthodologique en 2 étapes, orienté vers la construction du dialogue, d'abord entre les agents, puis ensuite entre eux et leur hiérarchie, autour des situations réelles de travail problématiques à transformer. Concrètement, dans la première étape méthodologique, nous avons réalisé pendant 2 journées l'observation filmée des situations considérées comme critiques par le personnel au regard des sollicitations musculo-squelettiques. À partir de là, 2 journées ont été dédiées pour la réalisation de la co-analyse de ces situations avec les agents au moyen de la méthode des autoconfrontations sur laquelle vous allez voir un exemple ensuite. Donc 4 autoconfrontations croisées ont été réalisées. Puis une demi-journée pour une séance de travail avec le collectif pour poursuivre les discussions et pour préparer la restitution à venir avec la hiérarchie. Nous avons ensuite, lors de la seconde étape méthodologique, dédié une demi-journée pour une réunion préparatoire avec le bureau de la structure
et enfin une demi-journée pour la réalisation d'une restitution collective en présence du collectif et du président de l'association. Je vais donc maintenant vous diffuser un montage qui résume ces deux étapes méthodologiques et la manière dont le dialogue a pu se développer entre les agents, puis ensuite avec leur hiérarchie. Dans le film donc de 8 minutes que je vais maintenant diffuser, vous allez voir trois choses. Un extrait de la co-analyse de la situation de réalisation de la plonge après le dîner. Un extrait qui concerne la situation de service et de distribution du repas pendant le dîner. Et enfin, un extrait des échanges qui ont eu lieu entre le collectif et le président lors de la restitution collective. Ces deux situations sont considérées comme des situations critiques par les agents. Il y en avait d'autres, mais là, il faut qu'on fasse des choix, tant du point de vue des contraintes temporelles que des sollicitations physiques. Maintenant qu'on est dans la machine à laver, qu'est-ce que tu en penses de l'emplacement de la machine à laver? Oui, mais moi je travaille pas comme ça. Moi, bon, la merde elle arrive ici. Ouais. Là, il y a de l'eau là-dedans. Ouais. Cette corbeille-là, je la mets là-bas, au fond là. Ouais. Et je passe mes assiettes dans l'eau, je les mets dans le panier. Bon, les deux chariots ils sont dégagés. Le chariot qui est là-bas, le plateau qui est là-bas, ouais. Je ouvre la vaisselle, je glisse, je ne porte pas, je glisse le machin, je referme. Quand il est arrêté, the end arrêté, je ouvre mon chariot, il est là sur le côté, et je glisse sur le côté. Enfin moi personnellement, nous on ramenait ça derrière, il y avait le sale, on posait ici, on posait le sale, et moi, je suis droitière, ça m'embête un petit peu parce que je vais vers la gauche, que là, je vais vers la droite. Et deuxièmement, ici, je trouve que c'est vachement étroit pour aller là derrière. Hein. Taille fine gervée, il faut avoir du 36. Hein. C'est peut-être ça à déplacer alors, finalement. Ouais. Je vais tout de suite vous rassurer, monsieur. Tout de suite. Monsieur, je viens tout de suite. D'accord. Ok. Vous mettez là, madame. Là, et vous voulez une autre chaise. D'accord. Allez, on y va. Voulez-vous reculer le siège? Allez, j'arrive tout de suite. Allez, on y va. Bonjour et au revoir. Oui. Vous aussi. J'ai pas pris chariot à cause de vous. Hein. Observe bien, Charles. Quand on arrive à 18h, pourquoi il demande à être servi à 18h? Parce qu'il doit se faire nettoyer. Voilà. Et quelle heure?
Ben, il est 18h30. Voilà. Donc, il n'y a personne. Ah, ben alors la femme de soins, elle n'était pas arrivée. Non, elle n'est pas venue. Elle n'était pas là. Donc, lui, je pense qu'il y a un mal-être qui se passe dans la salle, que lui demande à manger chez lui. J'ai entendu et je comprends. Voilà. Et je sais pourquoi, mais il me l'a expliqué. Parce que cet homme-là, il n'est pas âgé, il a quoi, il a 70 ans, un truc comme ça. Le mec, il avait une superbe carrière, sacré baraque, c'était un bel homme, hein, tout. Puis d'un seul coup, paf, on le retrouve ici. Hein. Non, mais je veux dire. Et ça, il me l'a expliqué, il m'a dit, c'est pour ça que je suis comme ça. Il dit, des fois, je pète un câble, il dit, je ne peux plus le supporter. Mais avant déjà, je voyais que lui voulait souvent qu'on lui serre le plateau. Et moi, je lui avais dit, monsieur, on ne pourra pas le faire ça tout le temps. Mais moi, j'ai pensé faire un planning que quand il y a son infirmière, qu'on soit nous au courant, que de dire, venir et dire à toi ou à moi ou à qui que ce soit d'autre, écoutez, vous devez ramener le plateau. Ça, c'est un stress qui nous apporte tout de suite en cuisine. Je pense qu'il faudrait mettre un planning, de dire, voilà, monsieur, ce soir, il faudrait ramener le plateau. Mais c'est à lui à le dire. Quoi? Oui, bien sûr, nous, on le propose. Voilà. Et lui, bien sûr, il nous donne les dates. C'est à lui de décider quand est-ce qu'il veut manger. Voilà. Ça, on peut lui faire plaisir parce que moi, c'est pour ça que je comprends sa personne. Le gars, il est... Non, pas que lui décide de manger. Non, tu ne peux pas laisser monsieur et les autres, ils doivent venir en salle. C'est favoritisme. Ouais, mais c'est un cas spécial. Eh bien, moi, je dis le planning quand il y a une infirmière qu'on est obligé de préparer le petit. Ah, il devrait nous prévenir. Oui, il devrait nous le dire, voilà, cette semaine, l'infirmière vient lundi. Ouais, parce que ça, en fin de compte, on ne le sait pas. Voilà. Non, il n'y a pas d'info. Et lui, on est là, après on oublie, vous avez vu le problème, après on oublie et toi, tu stresses. Et ça, je ne voudrais plus que ça arrive. Mais par contre, que lui décide de manger seul, non. Moi, je pense que quand il n'est pas là, les autres, ils font ouf. Je suis pas la même... Je suis pas la même... Ah, sans doute. Peut-être ça vaudrait le coup d'en discuter avec les autres. Bon, pour la machine à laver, je ne sais pas. Enfin, pour le lave-vaisselle, parce que c'est vrai, il y a aussi le point où il y a la porte, qui fait que s'il faut rentrer et sortir, le lave-vaisselle, il tourne celui ou celle. Qui ôte les vaisselles, déjà là ça va coincer. Il y a déjà I qui va pas. On a parlé avec le cuistot, Julien. Oui, il nous a dit. Moi, je trouve que le plus gros problème là-dedans, c'est le tuyau. Il y a un enjeu, je pense, dans cette affaire pour que les choses puissent éventuellement s'améliorer. Est-ce que vous puissiez continuer à instruire ces différentes questions? Mais nous, on est prêts à ça. Le problème, c'est que le manque de temps et on ne nous écoute pas. On a discuté de 5-6 hypothèses. C'est déjà vous de mettre d'accord sur une. Oui. L'association s'engage à donner un temps de parole ensemble pour travailler ces sujets un après l'autre. Quand vous allez vous réunir, est-ce que vous ne pourriez pas faire une sorte de... Si, d'une liste. C'est un truc un peu clair sur... Si, voilà, c'est quoi ces problèmes? L'idée au départ de l'ergonome, quand on a demandé qu'on vous a sollicité pour ça, c'était que vous arriviez avec des solutions toutes faites pour tout ce qui est organisationnel. Au mieux que ce soit les utilisateurs qui, ensemble, trouve la bonne solution. Mais vous utilisez très bien ce temps alors pour parler des choses concrètes. Deux problèmes concrètement. Voilà. Alors, je vais faire un commentaire et puis ensuite on ira vers la conclusion le plus rapidement possible. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces séquences qui contribuent à la prévention des TMS? Donc on voit ces deux opérateurs qui sont en train d'analyser leur activité. Et qui, dans chacune des situations, parviennent à repenser différents types de marges de manœuvre, des marges de manœuvre personnelles, comme on le voit avec l'exemple de la plonge, la manière dont elle s'y prend, les stratégies de régulation qu'elle mobilise pour faire les gestes de la plonge. Ils questionnent aussi des marges de manœuvre plus collectives, par exemple la question du planning, comment on organise ensemble pour anticiper l'apport des plateaux en chambre à certains résidents. Et puis, enfin, dans la dernière séquence, on voit comment ils arrivent, à partir de ce travail qu'ils ont fait sur leur travail, de l'analyse qu'ils ont faite de leur travail, comment aussi ce premier palier franchi dans le dialogue entre eux leur permet ensuite de manœuvrer à un autre niveau,
celui des marges de manœuvre organisationnelles dont il faudrait pouvoir disposer pour mieux soutenir dans le temps le développement de leur pouvoir d'agir. Et donc, au cours de la restitution, et grâce au montage qui rend compte de la qualité des échanges entre agents, le président peut alors mieux comprendre l'intérêt qu'il y aurait à poursuivre ces échanges pour construire la transformation au-delà des solutions toutes faites, comme il le dit dans le montage. C'est donc un second palier de développement que l'intervention organise et qui consiste à agir pas uniquement sur le problème soulevé, mais à agir aussi sur la reconception d'une organisation du dialogue professionnel au service de l'efficacité du travail et de la santé et au service notamment du développement de l'action sur les marges de manœuvre qui seraient susceptibles de réduire les sollicitations. Alors, je vais essayer de finir le plus rapidement possible et conclure autour de la question qui est posée aujourd'hui par ce séminaire, à savoir prévenir les TMS ou concevoir le travail futur, et si on tenait les deux. Alors évidemment, à cette question, on est bien tenté de dire oui, allons-y. À vrai dire, c'est une question qui nous semble importante, car si les TMS constituent une pathologie du déficit des marges de manœuvre, comme le souligne depuis longtemps François Danielou, Fabien Coutarel ou encore hier Aude Cuny, l'intervention doit permettre aux acteurs de s'emparer de ces marges pour mieux les transformer lorsqu'elles sont délétères pour la santé et l'efficacité. Dans cette perspective, l'intervention donne un autre statut à l'analyse des situations problématiques et donc au diagnostic remontant aux déterminants sources de TMS. L'intervention peut aussi viser, dans une perspective plus développementale, comme ça a été aussi souligné hier par Aude Cuny, à mettre d'emblée en mouvement un déterminant des déterminants de ces situations problématiques, à savoir la possibilité de dialoguer autour de ces problèmes entre acteurs dans des espaces dédiés pour solliciter leur mobilisation psychologique et sociale autour des problématiques de TMS. En créant ces instances de manière temporaire, grâce aux méthodes dialogiques que vous avez vues, à l'occasion de l'intervention, opérateurs comme encadrement peuvent s'essayer progressivement, d'abord entre pairs et ensuite ensemble, à l'exercice complexe du dialogue collectif sur le travail réel. Mais ce dialogue professionnel ne va pas de soi dans la plupart des organisations, avec la hiérarchie, bien sûr, ça c'est évident, mais aussi même au sein des collectifs de travail. Ce dialogue professionnel doit passer par l'expérience faite des contradictions et des points de vue multiples, voire divergents, sur l'activité réelle de travail. Dans l'expérience que vous avez pu voir, et aussi dans d'autres, cette vulnérabilité assumée par le collectif le rend plus légitime, Antoine l'a souligné, aux yeux des décideurs qui peuvent alors mieux comprendre l'utilité potentielle d'une organisation qui encourage la délibération. L'intervention qu'on a présentée, elle a cherché à mettre d'emblée les acteurs au travail autour de l'activité réelle. Pour nous, la possibilité de relier prévention des TMS et conception du travail futur appelle à renforcer ces méthodes dialogiques. Entendues de cette manière, l'intervention doit permettre de coélaborer des analyses de l'activité et de coproduire des diagnostics avec les opérateurs pour mettre en mouvement le point de vue des décideurs. Sur ce sujet, François Danielou parlait en 1996, dans son ouverture des journées de Bordeaux, de l'analyse de l'activité comme, je cite, « coproduction entre l'observateur, l'ergonome, et l'observé, l'opérateur, qui contribue à constituer l'opérateur en observateur de sa propre activité, lui permettant de réagir à partir de cette position nouvelle face à son activité, de contribuer, je cite encore François Danielou, à transformer son propre point de vue sur son travail, en particulier par les découvertes qu'il ou elle va faire à propos des régulations mises en œuvre dans son activité. » François Danielou poursuivait alors en disant « Ce changement de point de vue des opératrices ou opérateurs observés apparaît comme une ressource pour le processus de changement. Ce ne sont pas seulement les résultats de l'analyse mis en circulation par l'ergonome auprès d'autres interlocuteurs qui peuvent jouer un rôle dans le changement, mais aussi la manière dont les intéressés vont modifier leur propre point de vue sur leur travail. » Ce déplacement, ce changement de point de vue de l'analyse qu'on a pu voir aussi dans l'intervention qu'on a menée, est une condition nécessaire pour l'appropriation des analyses par les différents acteurs et donc pour l'efficacité des transformations dans une perspective développementale. En faisant le tour des problèmes, grâce aux controverses organisées entre eux, les opérateurs développent leur point de vue sur leur activité avant de soumettre ce point de vue à la discussion avec les décideurs. Dans cette perspective, les opérateurs n'instruisent pas uniquement les problèmes qui ont été décidés pour eux et par leur hiérarchie, ils convoquent leur hiérarchie autour des problèmes délibérés entre eux au préalable.
On peut donc regarder cette forme de co-conception du travail futur comme une redéfinition de la fonction des opérateurs dans le processus de décision. La co-conception du travail autour du développement des marges de manœuvre est passée ici par le développement du pouvoir d'agir des opérateurs sur leur propre activité, puis dans l'organisation en coopération avec l'encadrement. Elle consiste, cette co-conception du travail futur, concrètement, grâce au développement du pouvoir d'agir, à faire redescendre l'organisation et l'encadrement sur les problèmes concrets que les opérateurs rencontrent dans leur activité, plutôt qu'à faire remonter les problèmes. La prévention des TMS peut alors passer par des méthodes délibératives qui conduisent les acteurs, opérateurs et hiérarchies, avec l'ergonome, à développer leur pouvoir d'agir jusqu'à co-concevoir le travail futur pour agir sur les TMS dans le temps long. Évidemment, dans l'exemple qu'on vous a montré, il y a tout un tas de limites qu'on a évoquées, notamment dans sa temporalité, mais cet exemple qu'on vous a présenté, selon nous, qui est notre réflexion associée, invite à multiplier ces réflexions concrètes et à renforcer la manière dont on peut organiser la délibération professionnelle par nos méthodes d'analyse du travail pour montrer comment l'ergonomie peut apporter à la co-conception du travail futur dans un objectif de santé et de performance. Je m'arrête là. Merci.